Et donc salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien. Je suis aujourd'hui accompagné de Fréçois. Ça va, comment tu vas? Ça va la forme? Ça va, ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va répondre à des questions qu'on se pose depuis toujours. Des questions que vous aussi vous posez. Des questions existentielles, on va dire. Des questions existentielles. On va parier sur des choses du quotidien. Donc pour les règles, ça va être très simple. On va s'affronter sur 10 paris que j'ai soigneusement préparés en amont. Et puis le but, bah, c'est de voir qui va remporter ce challenge de cette nouvelle vidéo. Ouais. Donc ce que je te propose, c'est qu'on commence maintenant. Ouais, carrément. C'est parti. Pour cette première épreuve, wow. Je te propose, Francis, de deviner... Des AirPods. C'est ça. C'est des AirPods avec fil. Ah, AirPods avec fil. C'est des écouteurs du coup. Des écouteurs. Ok, d'accord, je connais juste des AirPods. Vous-même, vous savez à quel point ces écouteurs avec fil nous ont sauvé plus d'une fois nos portables, nos iPhones. Et nous ont aussi saoulés avec les petits nœuds. Beaucoup dans la poche. D'ailleurs, j'ai pris un peu beaucoup de temps à démêler. Donc, ce que je te propose, c'est de me donner la longueur que tu penses que fait cet écouteur. Je te laisse regarder. Il est assez long. C'est ce qu'elles disent toutes. attends, on peut juste checker comme ça. Je te laisse regarder. Ouais. Par rapport au plan de la caméra. Par rapport au plan. Je sais que ça fait la diagonale. Là, je l'ai moi. La diagonale mesure 72 cm. Je veux dire 1 mètre. 1m13. J'étais un peu plus, 1m24. 1m24 ? J'ai pris 1m. Je peux tenir un truc. Tu l'as tendu ? Ouais, c'est bon. Je suis à la limite là. On est à 1m24. 124 cm. C'est vrai. Ouais, non, non, c'est vrai, 1m24. 1m24. Mec, c'est énorme ! J'ai un perfect là. 104 cm. C'est un perfect ? Perfect. Mec, bah bien joué. Donc ça fait un gros problème. Ça fait un gros pour moi. Ouais. Ok, on va placer le deuxième jeu. Pour ce deuxième pari, Fréçois, très simple. Ouais. On va voir combien de noix peut-on prendre dans une main. Ah, ok, d'accord. Dans la tienne ou dans la mienne? On va mettre dans la tienne, parce que j'ai essayé et j'ai perdu le spoil. Ok, ça marche. J'ai pas compté, c'était juste pour voir si c'était réalisable. Ouais. J'ai une petite estimation. Attends, superficie de ma main. Moi je vais dire. Est-ce que je peux me permettre? Attends, je vais juste voir cette mesure. Un peu? Ok. Ok, je l'ai. Je dis 5 moi. 5? 5 mois, pardon. 5 mois. Je dis. Bah je vais dire 6. 6? On va faire pareil. C'est ça. Chacun a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous n'avez pas encore 2-0. Encore un pari gagné pour moi. Attends, il y a deux petites aussi, c'est pour ça. C'est toi qui as pioché. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a pas de donc ça fait 2-0 pour moi. 2-0. Et bah écoute, on va s'affronter sur la troisième manche. Troisième manche. Allez, c'est parti. Troisième pari. Ouais. Ce que je te propose, c'est de déterminer en combien de secondes est-ce qu'on peut remplir ce verre d'eau. Ok. Parce que toi aussi, souvent, t'es quelqu'un d'assez pressé, notamment pour jouer à Warzone. Et on sait que c'est. Non, moi j'ai un petit verre d'eau où je pisse dedans à côté de mon lit. Ce que je propose, c'est mettre un chrono. Ouais. Et puis tu penses qu'en combien de temps je peux remplir ce verre d'eau? Déjà la pression de l'eau. Je peux faire un petit test ou pas? Vas-y, vas-y. Ah c'est bon. 4 secondes 27. 4 secondes 27. C'est un verre Coca-Cola. Ouais. Nous ne sommes pas du tout sponsorisés par Coca-Cola. Ah bon? Bon, malheureusement, voilà, sauf si vous passez par là, n'hésitez pas. Impossible. Moi je pense en 6 secondes. Vas-y. Bon, c'est 2-1, 2-1 pour moi. Déjà, j'ai l'impression que j'étais gourmand sur 4 secondes 27, t'en penses qu'on est là, toi, d'ailleurs. Bah oui, c'est. Ouais. Ah ouais, 4 secondes, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Alors, viens, vas-y, ça avance. Ok, ok. Ok, je te laisse tenir le chrono, comme ça on va jouer en même temps, ouais. 1, 2, 3. J'ai coupé au. J'ai mis 5,26, mais du coup c'était. 5,26 ? Ouais. Faut être précis là. Ouais, je sais, mais j'avais coupé après. Genre j'ai appuyé à côté et après j'ai appuyé normalement. Ok, donc t'as fait un perfect du coup. Ouais, j'aurais fait un perfect. Félicitations. Merci. Ça fait 2-1. 2-1 pour moi. Moi qui ai encore l'avantage. Et puis bon, on se retrouve pour le quatrième pari. Le quatrième pari. Ouais. Je vais réaliser un rêve de gosse. Je pensais qu'on était potes. On va déterminer à quelle distance ce pistolet à eau peut tirer. Ok. On veut peut-être avoir l'honneur de tirer? Non, ce sera moi. C'est vrai? Ok, nice. Je te laisse aller de l'autre côté. On va tirer à partir de ce
petit caillou. Ouais. On va être ici. Il s'appelle Bernard. Et on va tirer. Ce caillou s'appelle Bernard. Ouais. Ce pistolet s'appelle Sturdy Style. Moi je pense que ce pistolet a une sacrée cadence. Ouais. Est-ce que je peux tirer en l'air pour te montrer la puissance? Ouais. Est-ce qu'il va se décharger complètement? Je sais pas, mais ça mouille. Ce pistolet a une puissance. J'aimerais pas être l'adversaire. Moi je dis, attends. Bah, non, tu vas commencer à dire. Je vois, ça fait une différence. Ok, ok. Ouais, attends, allez, secours. Déjà, ce mètre peut aller à combien de distance? Ouais, j'avoue. Tu peux aller à combien? 5 mètres. Et bah, écoute, je vais dire 7 mètres. Je vais dire 7 mètres 95. Ah, donc il y aura plus. Enfin, moi, j'ai 8 mètres du coup. Ouais. C'est ça qui est puissant. Moi je dis 9m13. 9m13, ouais. On part sur un 7m95 et un 9m13. Oh non. Putain, j'ai raté. Où c'est ça? J'ai réalisé un rêve de gosse comme je vous l'ai dit. Il veut me buter. Vous êtes prêts? Ah, il y a le vent contre nous. Ah, si, on a 6m30. Succès, j'ai gagné. Une victoire pour moi, je crois. Non, mais bon. Donc. I'm the winner for ce pari. Pour ce pari, ouais. Ça fait 3-1 pour moi. 3-1 pour toi, ouais. Je commence à prendre l'avantage. Tu commences à être derrière moi un petit peu. Il n'y a plus trop de concu là. Mais c'est pas fini, c'est qu'on aille à la 5ème manche. Ouais. Et on va y aller comment? À patte. À patte. Allez. Et pour cela, suivez tout bien. Nouveau pari qu'on s'est forcément posé depuis qu'on est tout petit, Fréçois. Oui. À combien de distance, à combien de pas précisément, sommes-nous voisins? Bah oui, oui, on est voisins. Mais du coup, à combien de pas y a-t-il d'ici à chez toi? Ok. Je vais poser ce pistolet parce, ouais, parce que je pense que je vais faire des conneries. En sachant qu'on va. Je peux dire où j'habite? Ouais, derrière, ouais, c'est bon, t'as dit. On va se focaliser sur les pas de la taille de Fréçois. Ouais. Ça fait une distance de 40 cm. Peut-être 40 cm. Je suis en petit. 1m72, les gars. Je pense qu'on peut voir, large. Ouais. Je pense qu'en 75 pas, tu es chez toi. Ça fait, c'est largement en plus. Attends, derrière, derrière la caméra, il m'a fait ça, Damien. C'est 150 pas. Ouais, tu pars? Eh bien, écoute, on te tend. Est-ce que tu portail à vous, jusqu'à mon portail? C'est ça, de portail à portail. On est parti. On peut voir qu'il fait beaucoup moins de 46 cm, là, c'est pas. On est en train de réaliser un rêve de gosse. Et ça, c'est incroyable. Pourrez-vous, chez vous, savoir à combien de distance, à combien de pas nous sommes l'un de l'autre? Ok, bah j'ai totalement perdu. J'ai totalement perdu. On n'est pas arrivé à la moitié, qu'on est déjà arrivé au nombre que j'avais prédit. Bien sûr. Je surveille, hein. Ne baisse pas la cadence pour gagner. Hein. Précisément à 126 pas l'un de chez l'autre. Score sans appel, hein. Un score sans appel, ouais. C'est qui nous redirige à 3-2. 3-2, ouais. Donc là, on peut dire que la partie est avancée. Pour ce sixième pari, on va s'affronter sur une question qui est souvent revenue dans les commentaires. En combien de temps se referme le portail de chez Fréçois? Qui est beaucoup revenu aux commentaires. Parce que c'est vrai que c'est souvent important de venir chez Fréçois. Ouais. Et notamment quand on était petit, que j'allais sonner chez lui pour jouer au foot. Et qu'il n'y avait pas encore portail chez moi. Et qu'il n'y avait pas encore portail chez moi. Je vais te poser cette question déjà. Et donc on va enfin y répondre. Toi, t'as une petite idée, je pense, parce que tu connais l'allure de ton portail. Moi, j'ai aucune idée de taille. 1 ou 2 km par seconde, je pense. Ouais. Ça se tient. Je pense... Dis, vas-y, dis, employé. Non, vas-y, vas-y. Je pense. Je te laisse dire. T'es chez toi. 15 secondes 53. Ouais. Voilà, il fait le serpent, il fait le. Ok, je l'ai. Bien porteur. Je vais dire 13 secondes. 13 secondes pile? 13 secondes et 12 centièmes. 13 secondes 2. 13 secondes 2. C'est parti. 3, 2, 1. Un. Je pense que tu as totalement perdu, Fréçois. J'ai carrément gagné. Toi, j'ai choisi le chiffre le plus haut. Bon, victoire, hein, 3-3, égalisation.
3, égalisation. Je pense que ce 7ème pari va être pour moi. Ouais. Et puis, bah, je sais quoi dire. Je ne sais pas. Allons-y. Allons-y. Pour ce 7ème pari, Fressois, on va rester dehors parce qu'on a la chance d'avoir un très beau temps. Il fait combien, 33 degrés, il me semble, à Grandchamp là. On est plutôt bien. Un peu fort. J'ai pas de notion. Ce que je te propose, c'est de compter le nombre de stries. De stries. Dites dans les commentaires si c'est. Qu'est-ce que c'est? Viens, toi qui es derrière la caméra. Les plaques là. Vous parlez de ça, si vous voulez. On se retourne pas. On parle de genre ça là. Je pense qu'on appelle ça peut-être des planches. Donc on va regarder pendant 3 secondes chacun combien de planches il y a sur cette première devanture. Okay. François, je te laisse te retourner pendant 3 secondes. 1, 2, 3. C'est bon. T'es prêt à compter pour moi? Oui. 1, 2, 3. J'ai pas eu du tout le temps de me concentrer pour me compter. J'ai absolument aucune idée de combien de stries il y a. Ça me perturbe. 27. T'as d'ailleurs, il a pu compter ça, ce coup-là de son côté. Je vais dire 38. 27, toi, je dis. On va compter. Ouais. On compte de là à là. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 28, c'est bon. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 39 et demi. Putain, GG, bah du coup, t'as fait merde! Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je te l'avais dit. Donc, oui. Cette manche était pour moi. Oui. Donc, t'étais beaucoup entraîné sur le comptage des streams. Hein. Ouais, et c'est depuis tout petit, j'adore ça. Tu sais, tout ce qui est carreaux et tout, j'adore compter. Ça fait. Il voit un truc, tac tac tac, il compte. Ça fait 7. 4-3. 4-3 pour moi. Ouais. Bon, et bah écoute. On est parti pour la 8ème? La 8ème. Rien, ok, le. Pour ce 8ème pari, on a un Fressois qui est un peu fatigué. Il est assis sur une balle. Ah ouais, j'avoue. Mais pas pour rien, pas pour rien. L'objectif, je vais demander à Fressois de lancer la balle le plus fort possible en l'air, de toutes ses forces. Ah, toutes tes forces? Toutes tes forces. Mais je vais lancer sur toi, je pense. Sur moi? Non, sur toi. Sur toi? Ah, c'est pas grave. Dans tous les cas, sur toi. Dans tous les cas, ça va retomber. Je pensais que t'étais plié, t'étais sérieux. Et on va tout simplement devoir deviner combien de rebonds peut faire cette grosse balle. Ouh là là là. Pas de spoil. Pas de spoil. Et toi, je pense que cette balle va faire 5 rebonds. Il est sérieux ou pas? Ok, bah égalisation 4-4, je vais juste avant de jouer. Thomas, t'as dit ta réponse. Ouais, tu vas faire 15 euros. Ok. Ouais, égalisation. Je suis pas sûr pour cette manche. C'était ça que je voulais dire. Ouais. 5 rebonds, ça me dit comme un truc de vrai, tu sais. Vas-y. 1, 2, 3. Il a lancé encore plus haut que tout à l'heure. 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Perfect. Est-ce qu'on peut recommencer? Pourquoi? Est-ce que t'as touché ça? Non, il me semble que t'as mal lancé. Quoi? Pourquoi? Relance pour voir. Ouais, là c'est le vrai lancer. Relance pour voir, vas-y. Tu sais, n'importe où. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, relance. Voilà. Non! J'ai gagné. T'as gagné? Ok. Non, j'ai gagné, non? On prend le 15 rebonds. Ça fait 15. Zumba café. 15 réels rebonds. 15 réels rebonds, c'est bon? Ça fait Zumba café, on vient de comprendre. Et bah écoutez, ça fait 4-4. J'ai un peu trop le seum là, ouais. Il va falloir que je me rattrape sur la prochaine manche. Ah, pas... Parce que c'est quand même ma vidéo, donc tu vas me laisser gagner. Ouais. Donc, non, parti. Non du coup. Ouais. C'est parti. Ces 9ème paris consistent à deviner combien de pages il y a-t-il dans ce magnifique livre de Georges et Pierre Balicha. Qui sont, nous le rappelons, des docteurs. C'est un grand dictionnaire médical, comme ça vous pourrez apprendre les premiers gestes de secours notamment. Oui. C'est le titre. Je te laisse. Dire mon premier. Oula, il y a un peu de poussière qui est sorti. Ouais, pour dire que. Bon, je lis pas tous les jours. Ouais, je lis pas tous les jours. Déjà, on peut voir qu'il est assez lourd. Ouais. Ça peut que dire qu'il y a beaucoup de pages. Ouais, bah c'est. Ouais. C'est. Alors. Peut-être quelqu'un qui se cache là-dedans, mais bon. Moi je dis 413 pages. 413 pages? Ouais. Est-ce que tu l'as déjà lu? Non. Pour toute la famille.
Ah bah on divise par 5. Je vais dire 5, il y a beaucoup de pages. Hein. C'est un vrai dictionnaire. Bah c'est ce qui est marqué dessus. Ok. Non. Excuse-moi, j'ai pas j'étais en train de compter. Je vais dire 316 pages. Et bah j'ai dit 413. Ouais. 413. Okay. Et moi 316. Bon bah vous regardez hein. Allez, une. Deux. Non mais c'est pas grave, mais tu fais la vidéo, faut pas compter. Aïe, attends, faut juste regarder. Ouais, ok, la dernière page, ça sera. Sinon. Voilà, c'est gagné. 463 déjà, et puis on sait pas. Bon, ouais, pour information, on va dire. 479 pages. Est-ce qu'on n'ouvrait pas une page au hasard? Focus. Est-ce qu'on lirait pas une page au hasard? Pour une petite définition, ouais, pour un exemple, pour un mot. Ouais, j'avoue, c'est l'information que vous donne. Ouais, ça ressemble. La syphilis, elle est le fait d'un agent infectieux, la tréponème sexuellement transmissible qui ne franchit la barrière placentaire qu'après le 4e mois. C'est-à-dire que le dépistage précoce maintenant systématique, il y a un traitement énergique par pénicilline, mettant le foetus à l'abri d'une contamination extrêmement dommageable. Voilà, c'est pas grave. J'espère que vous en avez grandement appris durant ce 9e Paris. Ouais. En Est-ce route, qu'il fait en route pour 10e. Après 9, c'est 10, non? Ça fait 5-4 pour toi? C'est 5-4 surtout, ouais. Bah écoute, je propose qu'on y aille en la live. Ok. Ouais, c'est pas le même sens. Ah, c'est où? Ah, hein, on part par là? Ok. On est parti pour le dernier et 10e pari. On a la prod derrière nous qui va mélanger une boîte de noisettes. Et on devra deviner. On devra, du coup c'est un peu embêtant qu'il mélange pas quand je parle. Il devra deviner, bah non du coup nous, on devra oui. deviner combien il y a de noisettes dans la boîte. On va lui demander de mélanger la boîte pour qu'on puisse se faire une idée. Ok. Tu peux recommencer? Il y a ma grand-mère qui dort en haut. On recommence. Je l'ai. On n'oublie pas de remercier la prod qui fait un gros travail de l'ombre. Ouais, pour gros merci d'ailleurs. Gros big up. Et puis, je vais dire qu'il y a 64 noisettes. Oh, que j'adore. 82. Ouh. Je pense que t'as sur un 5. Ça vient un peu large. On va compter. Ok, on est parti. Une. Attends, faut savoir qu'il y a combien quand même? 65, 70, 70, 75, 80, allez, 25. Il y avait 25. 105 105. 105. Il y avait 105 noisettes dans cette petite boîte. Et bien, on peut dire que j'ai le seum. Ouais. Je suis dégoûté. Écoute, ce que je propose, si qu'on prenne le plan comme ça, pour ouais. faire la conclusion de cette vidéo. Ouais. Que j'ai gagné, quoi, faut le dire. Que tu as malheureusement gagné. Donc tu ne seras plus invité dans cette chaîne YouTube. Ok, heureusement j'ai gagné du coup. Je rigole. Il y avait 105 noisettes, ce qui fait un total de 5-3 pour toi. 5-3, c'est ça. Non, si 5-3 pardon, et ça fait 10. J'ai arrêté l'école très jeune. 5-3 5-3, ouais. Ça fait pas 10, 5-3. Ça fait 8. J'ai vraiment arrêté l'école très jeune. 6-4, j'ai eu 6-4. Ça fait 6-4. Je vois ce que tu veux. 6-4 pour notre invité. Ouais. Bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé plus, hein. Et que vous avez beaucoup appris de cette vidéo. Oui. Parce que c'est des questions existentielles, comme vous l'avez dit, qu'on a enfin répondu. Ouais, j'espère que ça vous a bien ouvert les yeux quoi, sur cette vidéo. Ça vous fait des petites anecdotes à raconter en soirée. Oui. Et surtout, n'oubliez pas de nous donner de la support, un petit like, un petit commentaire, plein de pouces bleus, c'est ce qui nous motive ouais. à continuer. Et on fera un épisode 2 prochainement, je pense. Hein. Il y aura plus qu'un épisode 2, je pense qu'il y aura une continuité de série. Ouais. Et puis dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si vous vous posez des questions débiles, on peut le dire. Ouais. Si, ouais, c'est ça. Si vous avez des petites idées de mini-jeux cons à faire, bah, vous nous dites et nous on va les réaliser vu qu'on est, on est bêtes, on est cons. On va s'arrêter sur ça. On espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, peace. Ciao.